Madame la Présidente. Bonjour, je vous prie. Merci. 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 Alors, bonjour, mesdames, messieurs, les membres bonjour. De la CDAO. Et bienvenue au siège de notre maison commune qui va bientôt fêter ses 50 ans, vous le savez. Hein? C'est ça? Oui, mes services m'ont informé en tout cas de la tenue de la réunion qui était où la raison n'était pas fixée à l'avance, mais bon, c'est pas grave, on va s'accommoder. Et tout de suite, sans plus tarder, je pense que je vais vous donner la parole pour que ici vous puissiez tout de suite nous dire l'objectif principal quand même de cette réunion extraordinaire. Monsieur de l'intégration, vous avez la parole. Je vous remercie, Maman CDAO. Chers collègues, l'heure est grave. L'heure est grave, en ce sens que plus rien ne va. Notre organisation est réduite à sa plus simple expression. Sinon, comment comprendre qu'une organisation qui est née pour faciliter l'intégration entre ses membres et qui va bientôt fêter ses 50 ans d'existence, comme l'a si bien dit Madame la Présidente, peine à jouer ce premier rôle. Aller d'un point A à un point B dans notre espace communautaire est un véritable casse-tête. Tracasseries policières, barrières douanières et que sais-je encore. C'est un véritable chemin de croix. Je ne suis pas du tout content de notre organisation commune. À part l'absence de visa entre nos 15 pays membres, je me demande bien, qu'est-ce que cette organisation a bien pu nous apporter? Vous exagérez un peu, monsieur Intégration. Dans tous les cas, Maman CDAO, voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui me concerne. Je vous remercie. Très bien, merci à vous aussi. Sans plus tarder, Madame Justice, vous avez la parole. Merci, Maman CDAO. Comme l'a souligné à juste titre mon collègue Intégration, plus rien ne va. Ah bah. Notre organisation est à la croisée des chemins. Moi, Justice qui vous parle, je suis toujours piétinée. Mes décisions ne sont jamais respectées. Pire, Maman CDAO, c'est le règne de la minorité sur la majorité qui est la règle dans notre espace communautaire. Il nous arrive même de prendre des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre des membres de notre organisation au mépris de nos lois et règlements. Pire encore, nos décisions de justice sont foulées aux pieds et rangées dans les oubliettes. Alors, Maman CDAO, il faut une véritable thérapie de notre organisation commune.
J'en ai fini. Merci, Madame Justice. Monsieur Peuple, vous avez la parole. Merci, Maman Cédio. Chers collègues, de tous, je suis le plus brimé, le plus marginalisé. Tout est fait au sein de notre organisation pour que mes aspirations les plus profondes et les plus légitimes ne soient jamais prises en compte dans les décisions que prend notre organisation. Je l'atteste. Malgré la présence et la recrudescence des maladies, de la famine, de l'insécurité et même du terrorisme, notre organisation semble n'y prêter aucune attention. Notre bonheur en tant que peuple ne constitue pas sa priorité. Je l'atteste. Ouais. Maman Cédéon, je dis que notre bonheur en tant que peuple ne constitue pas sa priorité. À fort. Par contre, si une mouche pique un de ses dirigeants ou il venait à perdre son fauteuil, qui par lui va arriver. L'organisation se met en branle pour sauver ses dirigeants, y compris même par la violence. Et c'est le peuple qui est matraqué, bastonné, traqué, arrêté, emprisonné, assassiné. Et bien d'autres choses. C'est pourquoi il nous faut un véritable réajustement des missions de notre organisation. Mais moi, je me pose cette question. Est-ce que cela est encore possible? Très bonne question. C'est ça. Est-ce que j'en ai fini. Merci, monsieur Peuple. Madame Monnaie Commune, j'étais informée de votre retard. C'est pas grave, passive. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va vous donner la parole. Il y a un problème à tous. Madame Monnaie Commune, s'il vous plaît. C'est à cause de tout ça que je ne voulais pas venir. Aïe. Protocole, trouvez-lui un mouchoir. Non, ça va aller. Allez-y. Merci, Maman Cédéao. Chers collègues, depuis que j'ai été créée en 1945, je suis considérée comme une prisonnière qui vit dans une prison à ciel ouvert. Aïe. Pourquoi je dis cela? Figurez-vous que mon ancien maître m'a accordé une liberté verrouillée. Et les clés de cette vaste prison sont entre ses mains. Je ne peux rien faire sans l'accord de mon ancien maître. Et c'est lui qui fixe les prix des produits que je vends. Et même quand je veux faire une transaction avec d'autres pays, je suis obligée de lui verser des sommes énormes dans son trésor public. À quoi sert donc une monnaie commune entre certains de nos membres, si cette monnaie n'est bonne que pour la consommation et non à l'industrialisation? On ne peut jamais, je dis bien jamais, se développer avec une telle monnaie qui ne reflète en rien nos réalités économiques. Maman Cédéao, chers collègues, je pense et je crois qu'il nous faut un véritable sursaut pour notre propre survie. J'en ai fini. Très bien, merci Madame Monnaie Commune. Écoutez, c'est vraiment bon pour aujourd'hui. Alors, vous décidez quoi? Suicide! Hein? Suicide! Très bien, je déclare ma mort par pendaison. Voilà. Ah! Waga! Mère Fatoua et l'enquenda, y'a un wambro, bamram tire, t'es bamram fora. Gam taba, kulum kalam lafou.